Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, je vous dis bonjour. C'est le Dainré, toujours le Dainré. Voilà, vous savez, on vous a toujours dit que l'émission Fafa, c'est pas forcément pour les chanteurs, c'est pas forcément pour, voilà, c'est pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui ont une notoriété de la fast people de ce pays, vous voyez un peu. Aujourd'hui, je suis avec un glazan, comme on dit dans le jargon, un glazan, un Doumba. Un champion, un doyen, un doya. Le Korodjo. Est-ce que vous vous rappelez? Quand on dit Korodjo, est-ce que vous vous rappelez? Il y a une chanson dans le temps qui faisait mal, une chanson reggae. Il paraît que tu t'appelles Korodjo. Tu peux dire comment, elle est là, ne crains rien. Lui qui a frère à la fin, là. Voilà, c'est lui qui est là. Le vieux! Ouais. Voilà ma main. Voilà ça. Ouais. Je suis fan. Je suis avec le grand Korodjo, ami intime d'Ismaël Isaac, grand homme, comment on peut dire, du showbiz en Côte d'Ivoire avant qu'il parte en Europe et tout. Voilà. Donc, on est avec le vieux père, on va lui poser les vraies questions. Il ne peut pas faire rien. Bah, il me suis mis un peu loin, on ne sait jamais. Les vieux pères, ils ont les trucs chap-chap. Donc, je suis un peu loin. Là, dès que ça commence, je peux fuir. Vous voyez un peu la gamme. Ah, mesdames et messieurs, plage musicale, il revient. Fafa, c'est maintenant. Alors, monsieur Korodjo, comment ça va? Ça va très bien. Abidjan te plaît? Ouais, Abidjan me plaît. Je connais. Ça va combien de temps? Ouais, ça va combien de temps tu es là? Ça fait 2 semaines, je suis là. 2 semaines, d'accord. Ouais. Bon, c'est vrai quand on arrive, on ne dit pas qu'on s'en va, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, il ne faut pas dans eux, le passeport va disparaître d'une manière. Ça ne peut pas disparaître, c'est moi. Il marche ça. Ouais, il est si fin. Alors, dis-moi, Korodjo, la première question que j'ai posée, je veux savoir comment ça se passe de l'autre côté, là où tu es. C'est à Paris que tu es, c'est ça? Non, moi, je ne suis pas à Paris. En fait, je suis à Metz. D'accord. Non, ouais, je suis à Metz. Je suis basé là-bas, je suis avec ma famille, mes enfants. Voilà. Et bien, tu as eu peur de ziguer de Paris, tu as été caché à Metz dans la province quelque part là-bas. Il n'y a pas eu peur de ziguer. Ah ouais, tu vas en aventure là. Tu sais pourquoi tu vas. Tu n'es pas arrivé là-bas. Moi, j'ai fait mon ziguerier ici. Je n'ai pas allé faire ziguerier à Ben. Et si je viens pour aller chercher mon jeton, tu sais. Ouais. Donc, j'ai vu le mouvement, ça ne va pas trop en gérer. Ouais, ça lui met la joie là. Là-bas, c'est le vrai gratté. Donc, ça lui savoir vivre et puis la manière de chercher le jeton maintenant. C'est ça qui est dedans. D'accord, super. Très belle réponse. Donc, ça veut dire que là-bas, tu installes avec ta famille et tout. Ouais. Mais là-bas, là, c'est quel genre de boulot que tu fais là-bas? Au fait, je suis porté dans un pub. Un pub irlandais. D'accord. Voilà, c'est un pub irlandais. Ouais. Ah, c'est pas petit placement. Ah, c'est pas les pubs des enfants des Gagnois là. Non. C'est pub irlandais. Un pub irlandais. D'accord. C'est un concept que mon patron il a adopté parce que chaque année, on va en Irlande pour aller voir le concept là-bas. Et puis on reprend un peu le concept de là-bas. Et puis on remet ça en pratique sur la France. Voilà, donc c'est un grand pub irlandais. Voilà. Mais c'est quand même fréquenté par les Africains aussi, non? Non, pas trop. C'est fréquenté par les Noirs, mais c'est mes frères, quand ils viennent, ils passent là-bas, ils viennent me voir. Voilà, d'accord. C'est tout. Ah, d'accord, super. Alors dis-moi, ça fait combien de temps que tu es en Europe? Ça fait combien de temps? Ça fait 16 ans. 16 ans? Ouais. Donc, on est en 2018, non, on va dire depuis 2002. Ouais. D'accord. 16 ans en Europe. Ouais, 16 ans. Ouais. Et pendant les 16 ans, tu es venu de temps en temps combien de fois à Abidjan? Je suis venu en 2008. Ah, ça fait quand le papa est sorti. Voilà. C'est quand le premier boss est sorti. Là, tu viens faire un peu le. Tu viens montrer que c'est rentré. Quand le premier boss est sorti. Ouais. Voilà. Je suis venu, et puis après, j'ai pris les vrais doigts où est la vieille. Je suis reparti. J'ai commencé à Baradju. Je suis revenu en 2014, 2015 en même temps, pour faire couper mes enfants qui sont ici. D'accord. La première fois, j'ai essayé les 4 en même temps. Ça n'a pas marché. Après, je suis venu, j'ai pris 2. D'accord. Je suis parti avec eux. Ok, les 2 autres vont suivre bientôt. Voilà, donc je suis venu tout faire les 2 autres aussi maintenant. Ah, d'accord. Donc quand tu finis tout faire les 2 autres, moi, tu mets tout faire pour partir. Il n'y a même pas de ça, c'est ça, on de tout faire. C'est tout fallu dans tout fallu. Oui, c'est Anjaye. Alors, mesdames et messieurs, ce monsieur, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui a fait les beaux jours de la. Comment on peut dire ça?
comment on peut dire ça, comment je peux dire ça, parce que Ivoire TV c'est suivi par tout le monde, je ne veux pas trop m'exprimer en thème ivoirien, mais c'est, en fait c'est quelqu'un qui a fait partie de ce qu'on appelle le noyau du showbiz, c'est-à-dire qu'il était à la fois, c'était comme s'il manageait Ismaël Isaac, en même temps il était sa sécurité, en même temps il était, comment on peut dire ça, son représentant, c'est-à-dire il faisait un global, comme on dit, pas globalement mais un global. Mmh. Voilà, c'est lui, Korodjo, chanté par Ismaël Isaac et par beaucoup de gens. Mmh. Alors dis-moi, à propos d'Ismaël Isaac, comment est-ce que vous connaissez depuis quand exactement? Bon, depuis tout petit, on se connaît. Lui, il était à l'avenir 5, moi j'étais à l'avenir 6. Mais c'est un Koro, il est plus âgé que moi, tu vois. Ah, Ismaël Isaac aussi, il est un peu là aussi. Hein, non, toi aussi, c'est un ancien. C'est un vieux mort. Ouais. Mais comme le fonton, tu vois, on ne va pas drasser lui, quoi. Sinon, c'est un vieux mort. Donc on était dans le quartier, on déboîtait ensemble, on était les tours, les pokbero, tout ça. Et puis c'est comme ça, ça a commencé jusqu'à quand on a grandi. Mm-hmm. On est toujours resté en bon terme, les bons contacts. Et puis bon, on a commencé à tourner un peu ensemble. D'accord. D'accord, mais comment est-ce qu'est venu votre... Parce que vous êtes des amis intimes. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est ton ami intime, en tant que... Ça veut dire intime même. Mm-hmm. Comment est-ce que c'est venu? C'est venu comment? Le fait d'être des amis intimes, de ne rien vous cacher, de partager des choses et tout ça. Parce que tu peux marcher avec quelqu'un depuis tout petit et puis ça peut ne pas forcément être voilà, un ami intime. Non, mais au fait, c'est parce que lui au moins, je pense qu'il y a eu un respect et puis il y a eu... Je ne le cachais rien, tu vois. Mm-hmm. Il ne me cachait rien. Quand il avait besoin de quelque chose ou bien il avait besoin de conseils, lui donner des conseils, tu vois. C'était un grand frère, mais on marchait ensemble, tu vois. Et moi, lui donner des conseils, comme il me donnait des conseils. Ah, d'accord. Donc, d'accord. C'est comme ça, on est resté toujours, même chose pareil, depuis l'enfant jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait qu'on a toujours gardé des bonnes relations. D'accord. Donc, même, quand il, même à l'époque où il chantait, on disait, et les frères. Les frères Keïta. Parlait, les frères Keïta, tu as envie de dire toujours ensemble. On était ensemble au quartier, ouais. D'accord, d'accord. Maintenant, quand il a fait carrière solo, là, maintenant, c'est là que toi, tu as commencé à bien tourner avec lui, en fait. Là, il a commencé à bien tourner, lui, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Mais moi, j'ai appris que c'est lui qui t'a fait partir en Europe, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. À la veille de mon départ même, si je me rappelle bien, à la veille de mon appart, ma femme étant, mon ex-femme, elle était enceinte, elle devait accoucher. Et il a dit, on n'a qu'à rejeter le... On devait aller le même jour, il a dit non, on n'a qu'à le lendemain. Et dans la nuit, elle a accouché ma fille, elle m'a pris, frère, ça, on y va, on s'en va. Dès qu'on est arrivé là-bas. Quand il est arrivé, toi tu as fui en même temps. Oh. C'est que je ne comprends pas. On a dit prendre, donc vous êtes deux, on a moins bien de pour revenir, tu as mis dedans. Tu as fui. Laisser le discours là. Non, mais là, il a fui. C'est mon frère. Oui. Quand on est arrivé là-bas, on a fini de tourner. On est allé en Suisse, on est allé en Allemagne, on a tourné, quand on a fini, il dit mon frère, c'est State, toi tu dénaissais, non. Mais comme State là n'a pas marché là, et puis là on a laissé le bain là, il faut caler ici. C'est quoi ici caler? Moi, je lui ai demandé. Hein. Tu voulais demander? Non, on a appris que toi, tu as Tchengen. Moi, il y a Tchengen. Oui, on a appris que tu as fui. Moi, je ne comprends pas. Si Abori là, chaque année, depuis moi, il vient en vacances en Côte d'Ivoire. Quand il vient là, c'est chez Ismaël et celui. Tu es Abori pour en rester. Alors, frère, si c'est un peu chaud, donc tu vois, l'enfant laisser le discours, hein, tu es mon gars. Non, il n'y a même pas eu ça même. Même en connaissant même, il a failli m'en taper manager. En sautant, en le temps, Doudou Steven. Il dit on a qu'à retourner. Il dit on a retourné, c'est toi qui as payé billet d'avion et quelqu'un qui vient encore retourner. Quand tu es arrivé là-bas, bon, Ismaël est parti, toi tu es resté. Voilà, fallait maintenant te chercher et tout ça. Comment est-ce que tu as vécu ces premiers moments en Europe et tout ça? Non, le premier moment, en fait, il était chez mon bras roi. Tu peux dire son nom, hein, Yafoy? Ouais. Mamadi La Puissance. Mamadi La Puissance, qu'on salue au passage. Ouais, j'étais chez lui. Mais après, j'ai vu que le mouvement, tu vois, non, c'était le même acclississance des Babi, là, tu vois. Après, de chez lui, je suis allé chez ma belle-sœur. Après, chez ma belle-sœur, j'ai pris le... Comme on dit dans le temps, on allait chercher un baisse pour pouvoir travailler. Moi, j'ai pris le baisse de son mari, tu vois, pour travailler. Là, il commençait à bara. Il faisait des bara. Il était porté, il était vigile dans un magasin, les magasins Babou. Et le soir, il travaillait en bois de nuit. Voilà. Ça, c'était où? C'était à Paris? C'était à Paris. D'accord, d'accord. C'était à Paris.
Donc c'était comme ça. Mais est-ce que, parce que toi j'étais déjà connu, j'allais dire que tu étais ici, mais ton nom était déjà versé ici de Bengue. Mm-hmm. Donc quand tu es arrivé là, je sais que tu as intimidé ces mêmes Moro qui étaient déjà sur le terrain, mm-hmm. genre les gars qui faisaient la sécurité, mm-hmm. les gens qui étaient déjà dans le mouvement un peu zigueï là-bas et tout ça. Je sais que quand tu es arrivé, ça les a un peu effrayés façon d'une manière, ou bien non. Ils ont commencé à te mettre les bâtons dans les roues, ou bien. Non, il y a d'autres qui ont essayé de mettre les bâtons dans les roues, mais tu vois, quand tu travailles là, dans la vie, on dit Aklisi Maimbori. Ça, il faut travailler ton mind. Mm-hmm. Faut pas regarder ce que les gens vont faire, tu mm-hmm. vois. Sinon, au début, j'ai été reçu par tout le monde. Tous les frères sans. Ouais. Tous ceux qui ont appris qu'ils étaient là, et tous m'ont vu, m'ont accueilli, tu vois. Mm-hmm. C'était bien, tu vois. Mais, arrivé à un certain moment, tout le monde te prend bien. Mais quand tu parles à faire des barras, tu vois, parce qu'on sait que le mois, il vient d'arriver. Mm-hmm. Donc, il y a les maillements, tu vois, donc, quand on te met là-bas, on sait que peut-être, là, s'il vient, peut-être, va prendre tout le gras. Mm-hmm. Tu vois, non mm-hmm. Donc, souvent, ça voit son clos, ça tenait, mm-hmm. tu vois, mm-hmm. sa manière, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça, c'est... Mm-hmm. Après, moi, j'ai créé mon maillement, et puis, il y a bourri, maintenant, j'ai laissé la ville dans les mêmes mois, je suis allé dans mon village à Metz. Tranquillement, à Metz, tranquillement. Voilà. Mais c'est vrai que tu étais à Paris, mais c'est après combien de temps tu es allé à Metz? Après 2 ans. D'accord. Après 2 ans, je suis allé à Metz. Mm-hmm. Je suis allé travailler parce qu'on avait un bowling à Paris qui était à Belle Épine. Et le patron, il a eu un contrat à Metz, sur Metz. Et comme il a eu le contrat sur Metz, au fait, ils l'ont dit à Metz qu'il y a 2 quartiers là-bas, qu'on appelle Borny avec Saint-Éloi. Et le quartier là-bas, les petits moussis de là-bas, ce sont les plus laras. Donc il avait peur. Il fallait prendre 2 cracras pour envoyer là-bas. Ouais, c'est vrai. Donc moi je dis non, moi je suis partant, parce que moi je parle de baisse, tu vois. Mm-hmm. Moi c'est que si c'est en brousse là-bas. Ouais, on voit pas quelqu'un pour t'emmener. Il n'y a pas quelqu'un pour m'emmener, et puis moi dessiner mon baisse là-bas. Ouais, clair, clair. Même. Donc je dis au boss, moi je suis prêt, moi je suis partant. Les petits nous aussi de là-bas, c'est bien comme il fait frère. En tout cas. Donc c'est comme ça, il est bourré, je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas, avec moi en barra tranquille. C'est d'en faire des barras là, dans le bowling, c'est là-bas, j'ai connu mon mousseau. Mm-hmm. Et puis un peu les moments ont commencé. Le moment a commencé, enjaillement, premier groupe, deuxième jusqu'à. Tu n'as pas joué même. Toi aussi. Tu m'as oublié. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi, la vie à Metz comparée à Paris, c'est comment, c'est quoi la différence? Bon, la vie à Metz, mm-hmm. je pense que c'est plus mieux que la vie à Paris. La vie à Paris, c'est speed. Tu arrives à Paris, tout le monde en sent l'heure. Ils n'ont pas le temps, ça dit même pas bonjour, ça marche. Les gens sont pressés. Ok, à Metz, tu prends ton temps, tu marches tranquillement. À Paris, tout le monde marche en vitesse. Et puis, ils n'ont pas le temps de s'appeler. Ils n'ont pas le temps ça. De s'appeler. Et puis bon, les gens sont au loin, au loin, au loin. Mm-hmm. Tu peux prendre pour aller voir ton ami, tu peux faire 2 heures de temps dans le train pour aller le voir, comme si tu allais à Corogo. Tu as vu ça? Ah, c'est parfait. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, dis-moi, bon, concernant, comment dirais-je, l'époque où j'étais ici, là, mm-hmm. voilà. Bon, parmi tous les gars que Ismaël connaissait au quartier et tout ça, parce que vous avez fait 13 villes ensemble, comment ça se fait que c'est toi lui l'as choisi? Parce qu'on nous a dit que tu avais une réputation de faux type, quoi. Ça dit que toi, tu frappais tout le monde dans le quartier. Non. C'est toi qui, à chaque fois, ça dit que tu étais le plus cracra, ça dit le plus méchant même du quartier. Non. Donc, quand il a vu ça, il dit non, lui, il va le mettre à côté de moi. Mmh. Non, c'est même pas ça. C'est l'Ouber là. Tu vas forcément avoir les forces. La force pour pouvoir se battre. C'était le main aussi. Moi, je connais des grands vagabonds ici là qui ont mis la terreur même là. Ils n'ont jamais lancé coup de poing une fois. Ah bon? Mais là, non, est sorti. Est-ce que tu as entendu parler de Joe Cédéal? Moi, j'étais trop jeune. Hein? Non, tu étais trop jeune, voilà. Ah, c'est le vieux Moro. On était. Nous aussi, là, c'est le savoir-vivre seulement. Savoir prendre les frères sans. Quand tu arrives dans un quartier, on dit ah, c'est le frère sans de tel quartier qui est arrivé. Tous les frères sans sont là, tu vois, comme ça. Tu vis bien ta vie tranquille, tu vois. Voilà, c'est quoi. D'accord. Voilà, c'est d'accord. Quoi. D'accord. Mais dis-moi, j'ai appris aussi que tu as été éducateur dans une école, tout ouais, ça. Ouais. Si, si. Ah, dans quel coup? T'as dit tellement que tu as été gris-gris quand tu es sorti dans l'école des gens là-bas. Non, c'est pas ça. C'est vrai, il a été éducateur à Javon.
lycée moderne à Javon de Commencé. Il était éducateur. Je m'occupais du second cycle. Second, première, terminale. D'accord. J'ai fait 2 ans là-bas. Et puis après... Ça, c'était avant que tu partes en Europe. Ouais, c'était avant que je parte en Europe. En ce moment, on était dans le mouvement des VS aussi. VS, c'est quoi VS? VS, c'est volonté, sécurité. En fait, c'était au temps où il faut voir payer les loups-bas, là. Oui. Voilà. Ah non, toi, il faut t'appeler aussi, hein? Je m'en paye, toi aussi. Oui. Mais attends, moi, je veux savoir. Vous faisiez quoi comme travail et puis c'est vous en payer? Je comprends pas. Vous êtes en vous êtes adibatés, vous êtes les gros bras. Mais ça s'arrête là. D'accord, pour vos bannis, vous payez de l'argent. C'est que vous faisiez les sales besognes. Jamais. C'est que vous faisiez les paroles. On dit que dans le temps, là, bon, je respecte le père de la nation. Hein. Voyez, dans le temps, les politiciens qui veulent éliminer un gars, c'est vous qui partiez faire le sale boulot. Non, non, jamais. Ça vous payez. Non, on n'a jamais éliminé quelqu'un. Vous frappiez les gens quand même. Vous boxez les gens. Non, non. Si tu as frappé quelqu'un, c'est qu'il y a un manque de respect. Il a manqué de respect à ton patron, quoi. Non, mais toi, c'est bon. Toi, tu déboîtes avec ton coutrou. Et puis, quelqu'un vient et l'insulte. Dis-toi, là, t'as fouté. Toi, si tu peux accepter. L'homme qui te donne la daba, tu as fait quoi? C'est un manque de respect. Donc, tu mets le plus. Tout le monde, respect, c'est tout. Ça s'arrête là. Ah bon? Non, ça s'arrête là. Ok, il n'y a pas de façon. Moi, je vais poser les questions jusqu'à ce que je sache ce que vous faisiez dans le temps. Parce que là, nous, les DJ, en fait, dans le pays. L'État ne nous paye pas. Et puis, je ne comprends pas. Bon, bref. Non, ça, c'est au fouet qui nous paye. C'est son propre argent. C'est pas l'argent de l'État. C'est lui-même son argent qui nous donnait. Il dit, vous êtes mes enfants. Venez. Et vous étiez combien dans le temps? Vous étiez beaucoup, hein? On était beaucoup. Payez tous ceux à chaque fin du mois. Ouais. Ouais. Donc, il faut faire respect. Respect au père de la nation. Alors, ben... tu as assuré la sécurité de beaucoup de stars, hein? Ouais. Il paraît que tu as même Joy Wyatt là, tu as assuré sa sécurité. Ouais, si. Un moment, Joy Wyatt, il était venu en Côte d'Ivoire et il est resté pendant au moins 2 semaines sur la Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai fait sa sécurité. Il était chargé de faire sa sécurité, lui, avec sa mère. Voilà. Donc, tu étais le seul. Ouais. Ah, ton réseau était propre, hein? On me dit Joy Wyatt, Extra Musica, tout ça. Ouais, Extra Musica. J'étais le seul, je faisais la sécurité de 18 personnes, c'est la musique. Ouais. À la fin, quand ils sont partis, mais tellement ils étaient étonnés, là. Ils ont fait un morceau spécial pour moi, reconnaissance. Ah bon? Je te jure. On reconnaît le numéro 1 dans son travail. Sécurité, Clazan, Côte d'Ivoire. Ah, bâtard! Que morceau est là, je comprends si tu as écouté. Je vais chercher ce morceau-là. Je vais chercher. Reconnaissance, le titre du morceau. Je vais chercher. Reconnaissance. Oui, mais bon, parce que bon, moi personnellement, tu dis que toi tu n'avais pas une mauvaise réputation, mais c'est parce que. C'est pas l'impression que moi j'ai. Parce que si c'est pas les gens qui allaient chanter, bon, ils pourraient chanter plein de gars. Mais c'est toi, il a. Bon, ça va être son ami, mais peut-être que c'était pour te conscientiser, toi pour t'amener à changer. On dit tu brimoussais le go. Hein? Tu violais les petites filles dans le bus, c'est les petites filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est elle que tu partais, hein? C'est elle que tu, hein? Que tu violais dans le quartier. Regarde, laisse-moi, il ressemble à un brimo. Ah, mon cher, ça, c'est pas un que tu prends de quelqu'un. Hein? Moi, on m'appelle Mousso Bekal Lagare, je suis le chouchou des jeunes filles. Ah, toi aussi, faut mais d'après coup, on chante que tu brimo, ça, là, non, mais ça, c'est un rôle. Toi aussi. Quel rôle? Toi aussi, on t'a donné un scénariste de film, on t'a dit de faire. Il a fait mon scénario. Mais un artiste, moi, Ismaël, déjà, comment il connaît, il chante pas dans le vide. S'il chante, il a une inspiration. Et les gens comme Ismaël, ils s'inspirent de ce qui se passe autour d'eux. Ouais, le gars, il t'a vu dans un couloir entre une petite fille. Il a vu que tu as déciencé, donc il voulait se moquer de toi, en même temps, te conscientiser en même temps, puis il a sorti le morceau. Faut reconnaître le vieux. Non, faut reconnaître. C'est pas ça, faut laisser le discours ça. Aïe! Non, mais vous le connaissez! C'est un faux schéma là! On est censé rentrer, hein! Ça peut rentrer! Non, toi, si ça rentre, tu vas prendre un gauche! Alors, dis-moi, Korodjo! Il paraît que tu t'appelles Korodjo! Tu peux dire comment? Elle ne craint rien! Pourquoi il a chanté ça? Parce qu'on va aller chez lui pour lui demander. Hein. Il n'y a pas de problème, faut aller chez lui, tu vas lui demander. Ok, d'accord. Pourquoi il a chanté ça? Ah, Ismaël, c'est un chanteur. C'est son inspiration, il a créé son inspiration. Pourquoi l'inspiration est venue sur toi? Mais tu n'es pas sérieux. Comment tu mets ça sur moi? Oui, mais c'est ton nom, il a chanté. Toi, tu vas me donner un délit. Toi, tu m'envoies encore où il y a quoi?
Non, mais il est mal. Peut-être d'après l'émission, il y a des filles qui ont commencé à envoyer les plaintes. Oui, 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 il est là, oui, aujourd'hui, on veut parler. C'est ça, c'est ça. Mais elle n'a qu'à venir parler. Il n'y a pas une qui a venu parler. Mm-hmm. Il n'est pas pris au goût. Mais attends, attends. Bon, attends. Ouais. Tu n'as pas pris mon goût là-bas. Mm-hmm. D'accord. Maintenant, là. Mm-hmm. Parce qu'on dit que tu as fui. C'était ton travail dans le quartier. Mm-hmm. Maintenant, tu es tombé sur une petite fille. Elle est petite, mais elle n'est pas petite en réalité. Elle connaît le travail. Ah, regarde, regarde. Ça va dériver. C'est que c'est sorti d'une histoire vraie. Non, 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 non. Chiquita, c'est le nom, c'est l'inspiration que Chaka a donné. C'est pas moi, c'est Chaka qui a créé le nom Chiquita. Corojo Faya, Corojo Mouye, Corojo Yemele. C'est que la Yemele, ça il a pris la tangente même, il a fou la petite fille. Mais c'est ça qui n'a pas pris grave. C'est le Yemele là qui m'a fait mourir à Beng. Elle est en frayant ça, elle est sortie sur le Beng à Beng. T'as pas vu un moment, elle était sur le pont là. Ouais. Voilà, c'est là-bas. C'est trop fort, les gars. Là. Ça dit, il a été dribblé la question en l'esprit. Il a dribblé. Est-ce que là, c'est comment les crachots qui me disent dribblé? Il a dribblé quoi? Un moins 6 Zidane. Ok, mesdames et messieurs, on est toujours avec le Corojo. Il ne veut pas reconnaître que il faisait du mal aux petits filles du quartier. À Trècheville. Ah, dans le temps qu'on dit Trècheville, si tu n'es pas garçon, faut pas rentrer. Hein. Non, ça c'est pas fou. Tu n'es pas quand garçon. Oui, tu peux pas rentrer à Trècheville. Tu peux te promener, tout ça si tu veux, mais Trècheville. À Bobo même, à Bobo, ils étaient encore trop bébés. C'était à Trècheville, il y avait les vrais loussis, comme on dit en Côte d'Ivoire. Hein? Donc si toi, tu. Autant les sous-sous, ouais. Autant les sous-sous. Non, ouais. On dit que c'est les sous-sous même qui ont créé le mouchi, tout ça. C'est... Non, c'est la langue mouchi. C'est eux qui ont créé le mounouli. Ouais, piqué. Six vitesses, là, piqué les hommes, là. C'est les Guinéens, là, qui ont créé ça, les sous-sous. Il y a les vieux pères, les sorciers, les Mario, les Speedboy. Ouais, ouais. Mais dis-moi, à l'époque, là, c'était comment? La vie était comment à l'époque? C'était comment? Dis-moi, c'était comment? Nous, on était encore des enfants, mais, non, là, mais c'était comment? La vie était belle. On s'amusait bien. Mais bon, en tout cas, mais c'était un peu dangereux quand même, hein, ou bien? Non, c'était dangereux. Tous les vagabonds, tout non, ça. Non, on les connaissait, c'était le vieux père du quartier. Nous, on les connaissait. Donc, ils ne pouvaient pas tomber sur nous. D'accord. Ils allaient au Janik, tout s'est passé au Janik bas. Au Janik Ba, dans le temps, il y avait le Janik Ba. D'accord. Là-bas, il y avait les expatriés qui venaient, il y avait les trucs. C'est là-bas, les sous-sous, ils partaient faire les trucs. Sinon, nous, les pères frères, nous, on était là. Ils nous en voulaient pas, nous, ils s'en foutent de nous. Ils nous envoyaient pour aller payer les phares, pour aller appeler les pays serres, les trucs, quoi, c'est tout. Et puis, il paraît qu'à cette époque-là, si tu n'es pas un nous, si tu ne gagnes pas femme, hein, le goût était fin. Le goût était fin de nous. Mais c'est ça. Le nous, si, là. Le gourmet aime les vrais noussi. Ah, toi aussi. Ah, mais, mon cher. Mais la noussi, mais la noussi, mais c'est tous les chocos maintenant. Ils sont fatigués. Ah, toi-même, t'as dit. Le gourmet, même, il est frère, maillot Golden State, Warrior, les Debug, tout ça, machin. Il a le la collection de Jordan, ça monte, ça finit pas. Il a dit chocos. Parce qu'il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Il paraît que c'est le père à son âme, le général Gay, qui vous a découragé un peu. Parce qu'à l'époque, vous buvez citron, thé au citron. Il y en a même qui maigri, peut-être beaucoup, vous s'est promené. Parce qu'en ce moment, hein? C'est pas bleu, il était raconté une anecdote. Il est quitté à Yopou, on était venu à Yopou, on était au Toit Rouge là. Et puis j'ai rentré, j'ai pris le bateau, bus, je suis descendu. Arrivé à la garde républicaine à Trècheville là. Souvent c'était le général Gay. Donc il marchait. Il y a un qui est venu qui m'a donné un coup de coin. Il l'a regardé quoi. Il dit vous là, vous marchez là. Il dit tu marches là, tu parles que le pays t'appartient ou bien quoi. C'était un militaire, ça? C'était un militaire. Il dit, mais toi aussi, comment tu peux me parler des trucs là? Il a appelé en même temps Kalash. Quand il a appelé maintenant, il faut voir. C'est là le vrai moussi là. Quand il y a un moussi là, c'est là. Il dit, mais toi, mais tu déconnes. Au quartier, si vous êtes dans la guerre républicaine, nous, on est ici, on habite au quartier. On se connaît. Comment tu peux l'appeler ça là, comme moi? Il était pas voir. Il dit, ok, il faut partir. T'as tué son cœur, non? Mais tué son cœur, trafic, il a mis du lambeau. Oh, c'était quelqu'un d'autre. Regardez derrière moi. Non, non. Le deuxième courant, gauche, droite. Tchac, il vit. Il faut pas sa gamme va changer. Ouais. Nous, t'es les Guinéens, on avait 50 000. Nous, on fait rien. On prend pas gardez-vous, en fait. Donc, ça chauffait les quais. C'est normal. Et ils font formation, et ils se réveillent matin, ils font footing 20 km. Avant de venir déjeuner.
Et puis, ils ont un petit jet. Nous, on fait rien, on a assis la main, on a assis un cricket. Non, ça va pas. Donc, quand le pays a changé là. Donc, même autant de bédiers, ça continuait ou Autant de bédiers, ça continuait. C'est Gay qui a arrêté ça. Ah, d'accord. C'est Gay qui a arrêté ça. Autant de bédiers, ça continuait. C'est Gay qui a arrêté ça. Quand Gay est arrivé, il dit on a qu'à venir prendre là, la présence. Quand tu viens là. Donc, faut venir. On est venu breton, mais tu vois, ils ont même dit fait tout. On est venu prendre ton salaire à la prison. Tu as bâti. On te fait ça bien. On te fait ça propre. Ouais. Toi aussi. Tout le monde a abandonné son salaire. On a gardé. Mm-hmm. On a complété si vous pouvez maintenant. Moi, je cherche le travail maintenant. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ça. C'est pas faux. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours avec Corojo. C'est l'émission Fafa sur Ivoire TV Musique avec le Dinré. Toujours, toujours, toujours. Alors, dis-moi, Corojo, bon, aujourd'hui, là, mm-hmm. Avec le recul et mm-hmm. tout ça, machin, il y a des jeunes gens aujourd'hui, là, mm-hmm. le Lubaya, ça existe toujours, hein. Ouais, c'est... Ça existe quand tu vas devant des boîtes de nuit à Abidjan, mm-hmm. même à l'intérieur du pays, partout. Il mm-hmm. y a des jeunes qui sont des Adibatés, qui mm-hmm. sont des Lubas, qui mm-hmm. sont là, qui assurent la sécurité mm-hmm. et tout, tout, tout. Dis-moi, quel conseil est-ce que tu peux donner à ces jeunes-là qui ont voulu suivre votre chemin? Non, aujourd'hui, moi-même, quand je vois le mouvement des Gaya, même là, je vois que c'est un mouvement même qui est propre maintenant. Mm-hmm. Aujourd'hui, la nouvelle génération, comme je vois comme ça, comme mon fils Azra. Mm-hmm. Azra, la star! Voilà, mon fils, j'aime bien. Mm-hmm. Parce que vraiment, c'est un bon petit qui a trop développé ce monde, tu vois. Aujourd'hui, nous, si, là, c'est pas les Indiens. Hein. Mm-hmm. Non, c'est plus à la mode. Mm-hmm. Ça, c'est Gawaya même. Tu vois, lancer coup de poing, c'est Gawaya. Aujourd'hui, il mange tranquillement dans mm-hmm. tous les mouvements d'Abidjan, mm-hmm. il est dans tous les concepts, Manekinao, Adibateao, mm-hmm. Dabalio, il est là-bas. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça maintenant on veut quoi, tu vois, non? D'accord. Que les petits nous aussi n'ont qu'à devenir, tu vois, non? Mm-hmm. Plus les siens de Magali, mm-hmm. les siens de. Comme aujourd'hui, la nouvelle génération, les microbes. Ah, les microbes. D'ailleurs, mais je vais te poser une question à ce sujet. Vous savez qu'à votre temps, il y avait des gens qui faisaient ça. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que ce soit comme non, maintenant, non, tu non, vois. Non, non, voilà. Non. Quand toi, tu as appris ça étant en Europe, quand tu as appris que c'était un truc comme ça en Côte d'Ivoire, là, mm-hmm. quelle a été ta réaction? Non, non, ma réaction, vraiment, ça m'a beaucoup choqué. Hein. Ah, sans te mentir. C'est à force de rester là-bas, tu vois, non, ta mentalité change aussi. Ouais. Non. Mm-hmm. Tu commences à développer un peu un autre moins. Mm-hmm. Fais une science, quoi. Là. Nous, dans le temps, peut-être qu'on a, on est tombé si les gens, tu vois, non. Quand, après, il t'a raconté dans Charlie Wata. Mm-hmm. On est tombé si les gens, on a fait des nyaga, mais c'est pas comme pour les enfants de meilleurs. Ils vont prendre ton lalé et puis vont te mouiller quand t'es déjà. Ah! Avant, ils sont dans les rires. Ouais. Mais maman, on n'a jamais fait ça là. Ouais. Nous, c'est un jaillement, c'est un jaillement, on est gagné. Peut-être on fait des spectacles, des coups de pied en l'air, mm-hmm. danser, jaillement. Mais maintenant, là, ils ne dansent pas. Tu l'as coupé, hey. Coupé machette. Ouais. Tu fais ça, coupé machette. Ah, tiens. Ah, vraiment, le gouvernement n'a qu'à voir ça. Ah, on espère qu'ils vont réagir. Il ne faut pas en trop parler. Ils vont dire Corojo puis Ramzi pendant ce qu'ils ont dit à la télé. Bien. Non, on dit quoi? C'est un pays frère. Ouais. On a qu'à changer seulement, c'est tout. Nous, on veut qu'on a qu'à les mobiliser. Mm-hmm. De toute façon, il y a mobilisation. On a qu'à les mobiliser, on va changer, c'est tout. Ouais, c'est bon. Voilà. Sinon, nous, on n'est pas dans la politique. Vraiment. On cherche à Dabali seulement, c'est ouais, tout. Ouais. Tranquille. Oui, allons, Dabali, là, non, ça. Mm-hmm. On ne connaît pas lui-là, c'est lui-là, lui-là, à mm-hmm. Kafote, à Bolaté, nous, on n'est pas là. D'accord, d'accord. Mais tout à l'heure, tu parlais de Charlie Wata. Il paraît que vous étiez très proche. Hein. Ouais, Charlie, c'était mon frère, ça. Mon frère, on a fait le Vietnam ensemble. Ouais. Va voir. Ah, ça va voir qui s'appelait le Vietnam à l'époque. Va voir qui s'appelait le Vietnam. Parce que j'ai appris que là-bas, il frappait les gens tous les jours. Hein. Non. Il frappait les gens. Charlie, il frappait les gens lui aussi. Non, non, non. Charlie, là, il te dit quelque chose. Charlie, là, même là. C'est un homme, même là. Il ne fait pas parole comme ça. Si tu as vu Charlie faire parole, c'est que tu l'as trop manqué de respect. Tu l'as défié, tu veux l'humilier, c'est pourquoi il se défend. C'est moi qui t'ai dit, Charlie, fais pas parler comme ça pour dire non. Mais une fois, on allait, on se dit, il y a personnellement, Charlie. On a bien casé des vins. On était allé voir un vieux père là. C'est moi, on allait faire les petits G, les nouveaux G, tout ça. Mm-hmm. On allait faire les G, on allait se dire, il y a. On a fini ce matin, va voir. Charlie dit, moi, essaye le G pour voir si le G a job. Ben, il prend l'autre trottoir, moi, il prend l'autre trottoir, et puis on déboîte, il déboîte l'autre côté. Arrivons, c'est le bel changement, coup de pied! Le bois d'Akadi Bouy, ouais. Moi, quand il arrive, il me dit, bah, oreille!
sommeil. Il est allé là-bas, sommeil. Il est bossé que le dit à Joe. Je vais pas le dire, après enfoncer si Babi maintenant. Ça c'est les conneries que j'ai fait. Ça c'est que je ne comprends pas. Non. Hein? Ça c'était les conneries, c'est vrai. Aujourd'hui avec le recul, tu vois, on regarde certains actes, tu vois, qu'on a commis, mais pour nous dans le temps, c'était une manière de se montrer, de se glorifier, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu vois, moi j'ai 8 enfants, je suis grand-père, tu vois. Donc, quand tu penses à tout ça, là, tu vois, ça. Ouais, tu peux pas. C'est vrai. Tu te dis que, bon, quand même, tu étais jeune, mais tu as fait un peu n'importe quoi. Voilà, tu as fait un peu n'importe quoi, tu vois. Voilà. Donc, jeune gens, ne répétez pas ça. Bah, les belles, maintenant, ils ont la force. Hein. Vous êtes allé essayer là-bas, là, c'est. Ah, les belles, ils ont dit, hein. Ils ont les vrais dits, hein. C'est, ils ont les vrais dits. Panier d'attiquer sur ta tête. Là, tu dors, tu te lèves plus. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, on est toujours avec le vieux Moro, Corojo, toujours. Alors, dis-moi, Corojo, dis-moi, au niveau de l'Europe, au niveau de la France surtout, les jeunes gens qui sont les gars qui sont portiers, qui sont ce genre de trucs, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce qu'ils s'en sortent réellement? Non, ils s'en sortent bien. C'est aussi qu'ils font en sorte dans les sociétés de sécurité, aussi bon, tout ça. Dans les sociétés de sécurité, c'est différent de quand tu travailles directement avec le patron. Quand tu travailles directement avec le patron, tu as plus d'avantages que quand tu travailles dans les sociétés de sécurité. Parce que la société va donner sa facture, on va payer, le patron va payer la société, et la société maintenant va te payer. Donc quand tu travailles directement avec un patron, tu as besoin d'un salaire direct. Voilà, tu prends ton salaire directement. Tu as le contact facile avec lui. Tu as le contact facile avec le patron, tu vois. Et puis il y a un peu de humanité qui peut rentrer en vous. C'est vrai. C'est comme moi, mon cas, comme ça. Moi, quand j'ai eu le visa de mes enfants, comme ça, je suis allé voir mon patron, j'ai dit, le boss, c'est chaud, vraiment, là j'ai pas. Tout de suite, là, pour dire, enlever ça, là, c'est chaud. Il m'a dit, tu as besoin de combien? J'ai dit, 2 cricards, là, nous, 2 cricards, pardon. J'ai envoyé ça bien. Là, ils ont géré le truc tranquille. Ils ont géré le truc tranquille. Il m'a dit, il coupe des taux dans ton salaire. Tranquille, tu vois, c'est comme ça. Mais quand tu travailles pour une société, jamais ton patron va faire ça pour toi. Voilà, et puis là, il ne fait même pas. Parce qu'il s'est dit que bon, celui-là, moi, je paye déjà pour. Voilà, c'est tout. Quand il vient, tu salues, bonjour, bonsoir, voilà, il passe. Tout, voilà, il passe. C'est vrai. Ok, quand tu es comme ça avec lui, là, il y a plus l'humanité, tu vois, il est sensible, il te connaît, il connaît la famille, et puis il te présente sa famille, tu vois, ça devient comme une famille. Ouais, bien sûr. Voilà, bien sûr, comme ça. D'accord. Mais aujourd'hui, là, quel conseil est-ce que tu peux donner aux jeunes gens qui sont là-bas, hein, qui exercent autant pour moi, mesdames et messieurs, qui exercent le même métier que toi là-bas, quel genre de conseils est-ce que tu peux leur donner? Parce que nous, on a appris que voilà, les gens là, ils sont là-bas depuis des années, personne n'a encore construit le pays, c'est le yaya sur Paris, tout ça, c'est le yaya sur la France et tout ça. Donc, quel genre de conseils tu peux leur donner? Tu sens te mentir. Quand on dit il est là-bas et puis n'a pas construit le pays là, construire le pays, là, on ne peut pas construire comme ça. Quand tu es en France, là, déjà, il y a les réalités de la France, déjà, d'abord. Tu peux aller, tu as un salaire de 1500 euros. Ton loyer coûte 700 euros. Ouais. Tu as payé ton loyer 700 euros. Ta facture d'électricité, tu payes. Ton eau, chauffage, tu payes. Gaz, tout ça. Gaz, tu payes tout ça. Combien tu as mis tes économies? Moi, en tout cas, moi, je travaille tranquillement, je gagne mon jeton, je travaille. Moi, je ne suis pas un farotin, je ne suis pas un volant en France. C'est pourquoi quand il vient, il rentre en bois de nuit, si tu as crié mon nom, tu as crié jusqu'à demain matin. Ah, donc si tu me cries, tu n'as rien à me donner. Ouais. Non, quand mon petit, je peux te voir à côté, te donner. Mais pour que tu as crié mon nom, je ne connais pas ça. Bon, moi, je suis un gardien en France. Oui. Voilà. je suis un gardien en France. Quand il fait mon travail net, c'est le bouteille ou bien les trucs là, c'est eux qui ont jeton, c'est eux qui font Ken. Ils font Ken, moi je ne fais pas Ken, ils travaillent légalement, ils payent mes droits, ils payent mes impôts, ils payent tout. Ouais.
paye les cotisations, tout ça. Tout. Ouais. Pour que demain, si elle vieillit là, j'ai qu'à avoir l'an de retraite, mes enfants n'ont qu'à être bien, j'ai une famille, tout. Il y a des gens qui sont là-bas, ils ne pensent pas à ça. Ouais. On pense à ça. Tu es chez quelqu'un, tu vis chez lui. Il faut intégrer son système. Et si tu es contourné son système. Ça, c'est un très bon conseil. Ouais, c'est vrai. Tu es chez quelqu'un, il faut t'adapter à la personne. Il faut t'adapter à la personne. Ouais. Tu viens d'un village, il y a un maïs sur le dos. Pas de magie sur ton ventre. Pas normal. Pas normal. Ouais. C'est ça. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Corrado, dis-moi, maintenant que tu viens, bon, le CEB, le BES est là depuis 2006. Donc, maintenant, tu viens comme tu veux et tout. Quels sont les projets que tu envisages ici à Abidjan? Est-ce qu'il y a un truc que tu as vu que tu peux développer ici facilement pour pouvoir. Ou bien pour l'instant, ce n'est pas encore. J'ai créé un système avec ma banque, avec la banque ici, que chaque fin de mois, j'ai fait un virement, tu vois, pour chercher à prendre un petit bata, tu vois. Que la vieille n'a qu'à aller dans un pays, tu vois. C'est important. C'est mieux, quoi, tu vois, non. C'est important. Moi, c'est déjà là-bas, parce que moi, j'ai déjà fait ma vie là-bas. Mes enfants sont là-bas, tout le monde est là-bas. Voilà. D'accord. Moi, je dis, si un jour je meurs, six mois là-bas, n'ont comme enterré là-bas. Ouais. Parce que toute ma famille est là-bas. Mes enfants sont là-bas, c'est que deux enfants que j'ai ici. Voilà. Les deux là, je pense qu'Inch'Allah, si tout se passe bien, ils vont venir me rejoindre là-bas bientôt. Voilà, parce que c'est pour eux que je suis là. Ouais. Aujourd'hui, là, je suis venu là. C'est pour eux que je suis venu. Voilà. Donc, c'est comme ça. Si ma maman est heureuse, c'est bon. Ouais, l'essentiel. L'essentiel, c'est ça, quoi. C'est ça, voilà. D'accord. Alors, Corrado, vraiment merci d'avoir accepté de nous recevoir. T'es à nous. On est venu te surprendre dans le coin ici parce que tu te caches, on ne sait pas, tu as quel problème, tu te caches. Donc, il fallait que Fafa vienne te découvrir dans le WhatsApp où tu étais brûlé. Tu vois, non? Bon, ça veut dire qu'il fallait que Fafa vienne te découvrir dans l'endroit où tu t'es caché. Voilà, bah, c'est le Nouchi, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça le Nouchi. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux adresser un mot de fin à toutes les personnes qui ne te connaissaient pas, qui te connaissent maintenant? Un mot de fin, puis on y va. Bon, je remercie déjà ton émission Fafa. Voilà, parce que je sais qu'il y a d'autres pays frères qui me connaissent, mais qui m'ont oublié. Voilà, maintenant je pense que par rapport à ça, on me revoit encore. Voilà, vraiment, j'ai pas de grand chose à dire, mais ici en Jaé. Voilà, ça fait plaisir d'être avec toi, de travailler. Ouais. Avec toi. Merci beaucoup, Vie. En tout cas, au passage, moi, je passe un coucou à mon ami et frère Touré Junior. Touré Junior qui a permis que cette rencontre se fasse. Bon, lui, on va faire son faf, on va lui poser les vraies questions. Parce que je ne comprends pas mon ami. Hein? Voilà, donc on va lui poser les vraies questions, on le salue au passage. C'est la famille Touré Junior, vrai manager de son état. On salue aussi le Koro Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche. On est ensemble, c'est la famille. C'était l'émission Fafa avec Koro Djo. Voilà, c'est un lion, c'est un dinosaure. Il a accepté de nous recevoir. On est ensemble, Fafa, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Sur ce, ciao. Salut d'Henri.